Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du quotidien régional Ouest-France qui revient sur la défaite du Stade Rennais hier soir 2-1 face au SCO d'Angers. Une défaite à domicile 3 jours après le match nul contre Krasnodar en Ligue des Champions. L'apprentissage de la Coupe d'Europe continue pour le club breton qui doit enchaîner tous les 3 jours. Unou avait ouvert le score pour Rennes mais Boufal et Fulgini ont puni des Rennais fatigués. Avec ce revers, les Bretons restent sur le podium à égalité avec le PSG. De son côté, Angers monte à la 6ème place. On traverse la Manche où ce matin, un homme fait l'unanimité dans le royaume. Depuis le début de la crise du Covid, Marcus Rashford se mobilise pour que les enfants anglais en difficulté puissent avoir des repas gratuits. La semaine dernière, le joueur de Manchester United a proposé de prolonger son programme de repas scolaires gratuits durant les vacances, car le gouvernement avait décidé de le stopper. L'attaquant ne s'est pas découragé et a lancé lui-même un appel sur son compte Twitter au commerce pour qu'il s'investisse à distribuer des repas gratuits aux enfants. Une initiative qui fonctionne et qui force l'admiration chez tout le monde. Le Daily Mirror en fait d'ailleurs sa une et reprend une déclaration de Jürgen Klopp. « Je suis si fier de toi, Marcus », a déclaré l'Allemand, pourtant coach de Liverpool. Oui, mais dans ce genre de situation, les rivalités sont mises de côté et le geste du mancunien est salué partout. En tant qu'entraîneur de Liverpool, il est délicat de complimenter un joueur de Manchester United. Mais ce que Rashford a fait est incroyable, a confirmé Klopp. The Independent souligne que le coup de pression de Rashford au Premier ministre a fonctionné et que les entreprises locales se mobilisent. Hier soir avait également lieu le premier match de la 6ème journée de Premier League. Et c'est le Leeds de Marcelo Bielsa qui s'est largement imposé face à Aston Villa 3-0. Et les promus peuvent remercier leur attaquant vedette Patrick Bamford, auteur d'un triplé comme le souligne le Daily Express qui fait dans le jeu de mots. Mais aujourd'hui, le match qui est attendu par toute la planète football n'est autre que le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. La presse madrilène comme le journal AS lance déjà le choc et donne rendez-vous aux deux équipes sur le volcan. Premier Classico sans public marqué par la crise institutionnelle du Barça et la crise sportive de Madrid, écrit le quotidien. Un match forcément différent cette année avec la crise sanitaire. Et pour Marca, c'est une nouvelle pression sur la normalité avec cette rencontre. Le Barça et Madrid s'affrontent à un moment délicat du premier Classico sans public. Heureusement, il y a quelques bonnes nouvelles avec le retour de Sergio Ramos côté Real et celui de Jordi Alba dans le 11 barcelonais. Malgré le contexte particulier, toute l'Espagne trépigne tout de même d'impatience d'assister à ce choc entre les deux mastodontes. Pour le journal Sport, ce sera un classico de l'illusion. Le Barça de Koeman veut renforcer son nouveau projet par une victoire convaincante sur Madrid dans un Camp Nou vide à cause du Covid. L'entraîneur va aligner son équipe de gala dirigée par Léo Messi et avec la fraîcheur d'Ansu Fati pour dominer le rival dès la première minute. De son côté, Zidane joue sa tête après un mauvais début de saison et une lourde défaite cet après-midi pourrait le laisser au bord du gouffre. Les merengues vont forcer le retour de Sergio Ramos après la débâcle défensive en Ligue des Champions contre le Shakhtar. Pour Mundo Deportivo, ce classico n'aura rien de classique. Le grand duel est joué pour la première fois de l'histoire sans public au Camp Nou. Le Barça peut condamner un Zidane très contesté, écrit le journal. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où l'actualité du jour concerne la prolongation de Paolo Dybala avec la Juventus. Le Corriere dello Sport en fait d'ailleurs sa couverture et annonce que l'avenir de la Gioia est suspendu. L'Argentin désire être le numéro 1, mais son contrat expire et un accord entre le club et le joueur n'a pas encore été trouvé. Ce qui n'annonce à rien de bon. Les bookmakers sont d'ailleurs persuadés que l'attaquant va quitter la vieille dame. L'Argentin pensait faire partie immédiatement du nouveau projet initié par Andrea Pirlo, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, ce qui force sa réflexion sur son avenir. L'absence de Cristiano Ronaldo amènera l'entraîneur à l'aligner probablement aux côtés d'Alvaro Morata ce dimanche contre l'Hellas Vérone. La Gazzetta dello Sport évoque également le futur de Dybala et indique que c'est un match Juve-Dybala qui va se jouer dans les prochaines semaines. Pour le moment, l'ancien de Palerme va retrouver sa place de titulaire 2 mois plus tard. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve un peu plus tard sur Foot Mercato.